Et du coup, j'ai un deck qui est rempli de Wapiti, qu'on va peut-être pouvoir combiner à un moment, mais c'est pas sûr. J'ai pas vraiment envie d'avoir. Pas vraiment besoin de sacrifice. Même carrément pas besoin. En fait, le truc, c'est que j'ai besoin de la chèvre noire, la ruche, ça peut me sauver. Fourrure, ça peut me tuer ma run. Donc on y va. Chèvre noire sur ruche. Comme ça, on commence que avec des cartes à 1 qui peuvent nous permettre d'invoquer une grosse carte. Donc je vais jouer l'élan. Je peux jouer le Wapiti en même temps, grâce au super totem. Ça me sauvera pas, mais ça me donnera une sacrée avance. Un lapin qui évolue, tiens, tu vas aller là-bas. L'élan me protège. Et voilà, le Wapiti, il évolue en élan. Ce jeu est tout à fait logique. Ouais, donc on n'a pas de risque pour l'instant. Le lapin, il ira tuer la prochaine mante. Sans souci. Petite info comme ça, mon tapis de souris, c'est un bouquin. J'ai perdu mon tapis. Bref. Là, je vais essayer de perdre. J'ai même pas essayé de perdre. Bah, la grenouille. Parce que c'est une pie, en fait. Donc, ça va me permettre d'aller piocher mes super cartes. On n'a pas besoin de toi. Désolé. Mais pas désolé, en fait. Si tu deviens un 4-4, c'est bien, hein. 4-4, ça roule bien. La grenouille permet d'avoir ma chèvre noire qui me permet mon grand requin blanc. Juste là. Et un petit lapin. Peut-être après on ira jouer un Wapiti, c'est pas mal ça. Surtout que c'est un super Wapiti, t'as vu? Il va faire 4 dégâts. Et waouh, un lapin hyper agressif. Attention, il est très agressif. J'aurais dû le jouer. Ouais, non, c'est bon. On est trop tranquille dans cette game. J'ai pas besoin d'os. Je vais re peut-être regretter cette décision, je sais pas. Ouais, c'est cool, hein. Oh, le verre de farine. Oh, tu vas nous condamner, toi. Tu vas tellement nous condamner. Voilà, crève. Merci beaucoup. J'ai des os maintenant. Génial. J'en ai pas besoin. Des dégâts. Let's go. Let's go, l'équipe. Bah, on peut peut-être t'améliorer, toi, alors. Parce que si on te perd, c'est pas très grave. Risque, risque. Let's go. Les risques, ça paye. Tu crois que tu me fais peur, mais tu ne me fais pas peur, etc. En soi. Voilà quoi. Boum. Gamingus. Ouf. Oui, c'est super ça. Bah écoute. Hein. 4 dégâts comme ça. Puis je vais aller prendre mon abeille juste après. Et je fais bien parce que c'est dangereux sinon. Hein. Vous imaginez perdre. Enfin bref. C'est un symbole intéressant, mais vu que j'ai rien sur quoi sacrifier, bah je vais juste prendre la carte à 2 d'élixir. J'aurais peut-être pu faire une fourrure immortelle. Ça aurait été rigolo. Mon symbole est déjà bien, j'ai pas besoin de rats. Et j'ai aucun symbole à sacrifier, donc autant me débarrasser de la peau. Pour avoir un deux coups.
Ouais, un élan. Ça, c'est très jouable avec ma méta. On va passer direct à la phase suivante, je pense. Parce que perdre du temps, c'est dépenser du temps qu'on pourrait dépenser autrement. Ouais, normalement, c'est bon. Je connais mes additions, t'as vu. Non, ça va. 5 dégâts. Je préférais garder mon Wapiti, donc. Peut-être faire ça, tu vois. Être un peu intelligent. J'aurais pu me garder ma ruche. Oui, je vais oser. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon coco. Ouais. Je vais mettre en place mon gros requin là. Énorme requin. Ouais, vas-y. Hi 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 ha.